Dévastation de Dimitris Dimitriadis. Traduction Michel Volkovitch. Enregistré au Festival de la Mousson d'été le 23 août 2016. Ils dorment. Ils ont un besoin dramatique de sommeil. Mais eux, le sommeil ne chasse pas leur fatigue. Ils sont si fatigués. Il n'y a rien pour chasser leur fatigue. J'ai peur. La fatigue, c'est tout ce qui leur reste. Même le sommeil les fatigue. Ils font des rêves affreux. Ils délirent, ils suent. Le sommeil les anéantit. Mais ils sont mieux ainsi qu'au réveil. Et surtout, quand ils dorment, ils ne se voient pas les uns les autres. Seuls, le dégoût d'eux-mêmes est plus grand que le dégoût que tous ressentent envers tous. Chacun seul est plus tranquille. Avec les autres, ils se déchirent. Tout ce qui leur reste à eux s'abîme, pourrit. Les autres leur rappellent ce à quoi ils ne veulent pas penser, ce qu'ils redoutent le plus. Quoi ? Ils essayent de l'éviter, mais ne peuvent pas, vous savez quoi. Ils ne peuvent pas. Rien à faire. Pourquoi on ne les laisse pas tranquilles, enfin ? Ils ne supportent plus. Ils ne veulent qu'une chose, que tout le monde les oublie. Qu'ils se réveillent, et pour se souvenir d'eux, personne. Toutes ces années interminables. Qu'on s'occupe aussi des autres. Il y en a tellement, des histoires à n'en plus finir. Sans arrêt, la même chose. Comme si c'était la seule famille au monde. Comme si eux seuls avaient fait ce qu'ils ont fait aux autres. Eux-mêmes sont fatigués, plus que tous les autres. Ils se sentent vides. N'ont plus d'autres réserves. Eux aussi sont des êtres humains. Leurs limites ne sont pas inépuisables. Ils ont perdu depuis longtemps leur patience. Mais ils ont raison. C'est pas rien. Chaque année, tant de fois dans l'année, devant tant de monde, dans tant de théâtres, partout, dans toutes les langues, pendant tant d'années. Où puiser de nouvelles forces? Où peuvent-ils les trouver? La situation les a rendus fous. Ils veulent échapper à leurs histoires. Elles sont leur maladie. Ils essayent. Mais malheureusement, rien à faire. Comme si c'était facile. Ils sont dans une impasse. Des illusions et désespoir. Mieux vaudrait qu'ils ne se réveillent jamais. Qu'en dis-tu? Qu'ils reviendront. Sur la scène, ça me paralyse. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'ils essaieront et ne pourront pas encore une fois. Ce qui me terrifie, c'est qu'ils ne pourront pas, là encore, l'arrêter. C'est qu'il arrivera toujours la même chose, encore et encore. Ils essaieront encore, malgré tout. Peut-être aujourd'hui. De faire quoi? Qu'arrive cette chose-là, qui n'est jamais arrivée encore. Ils commencent toujours ainsi, avec cet espoir. Même s'ils n'attendent plus rien, ils sont totalement désespérés. Et pourtant, oui, ils espèrent encore. Toi, tu espères. Tu crois que quelque chose arrivera aujourd'hui? Il me semble que tu t'y attends. Comme si tu savais quelque chose. Taisez-vous. Quelqu'un s'est réveillé. Je n'attends rien. Je ne sais qu'une chose. Je ne peux pas les aider. Ils ont de la chance de t'avoir. Tu es tout pour eux. Sans toi... Oui, mais au moment difficile, je ne suis d'aucun secours. Ça, je ne le supporte pas. Vouloir et ne pas pouvoir. Pour moi aussi, les années ont passé. Je suis usé, moi aussi. Qui suis-je maintenant? Leur nourrice, oui. Mais qu'est-ce qu'une nourrice? Ce qu'elle a toujours été. Quel pouvoir avait-elle? Toujours cachée, ne parlant presque jamais. Personne ne se souvient d'elle, aujourd'hui, moins que jamais. Autant le dire, je ne suis rien. Ce n'est pas rien ce que tu as fait. Toujours à leur côté, avec eux dans toutes leurs catastrophes, ils t'en sont reconnaissants? Ce sont eux qui ont souffert, qui se sont entretués. Moi, non. Moi aussi, comme eux, je suis une répétition. C'est cela seul aujourd'hui qui me maintient auprès d'eux. Moi aussi, je suis fatigué. Mais je ne suis pas comme eux. Moi, je n'ai pas de sang sur les mains. Je ne peux pas dire « ma vie a été brisée » comme la leur. Une nourrice souffre, elle aussi, mais n'est pas brisée. Moi, je survis toujours. Je ne me plains pas, malgré tout.
et mon cerveau est encore à sa place. Et la répétition, moi, je la supporte encore. Mais mon sort et leur sort sont liés. Ce qui leur arrive aujourd'hui, je le paierai, moi aussi. Quelqu'un vient. Non, ne partez pas. J'ai besoin de vous. Nuit qui n'en finit pas. Chrysothémis ? Les autres, ils dorment ? Oui. Mais quel sommeil. Nous avons l'angoisse de ne pas nous réveiller. Cette angoisse dans votre sommeil. Le jour d'aujourd'hui nous paralyse. Personne n'a pitié de nous. Nous sommes restés seuls avec nous-mêmes. Moi, j'ai pitié de vous. Je sais, cela ne suffit pas. Tu as un peu dormi. Le sommeil ne m'a pas laissé dormir. Je suis allé aux cuisines. J'ai pris un couteau. Jusqu'ici, c'est lui que je tenais. J'essayais de couper au poignet ma main. Que s'en aille quelque chose de moi. Que je devienne une autre. Que je ne sois plus la même. Ah, si je pouvais couper quelque chose. Qu'on ne me reconnaisse pas. Que je ne sois plus Chrysothémis. Ma main au poignet ou n'importe quoi d'autre. Mais je n'ai pas pu. Mais tu pourrais le faire, toi. Bah aide-moi. Mutile-moi. Puisque tu as pitié, fais quelque chose. Prends le couteau et coupe-moi. Et change-moi. Si tu as pitié de moi, fais qu'on ne me reconnaisse plus. Rends-moi méconnaissable. Qu'est-ce que tu me demandes ? Toi non plus, tu ne peux pas. Ils sont là, déjà ? Égiste. Un nouveau jour se lève. Oh, ce n'est pas possible. Quelque chose existe. Rien. Et quelque chose existe toujours. Pour nous, rien. Et ne parle pas autant. Toi aussi, tu parles ainsi. Mais moi, je sais ce que je dis. Tandis que moi... Ne vous disputez pas, mes enfants. C'est Électre qui doit s'opposer à Égiste, pas toi, Chrysothémis. Et toi, Égiste... Tu n'as pas compris. Nous ne pouvons pas, même si peu que ça. Et toi, tu joues les nourrices, comme... Que veux-tu que je fasse ? La nourrice, ne vous disputez pas, mes enfants. Celle qui concilie, celle qui réconcilie. Et moi, qui ne suis pas Électre, elle qui seule peut injurier Égiste, Égiste avec Électre et non Chrysothémis. Nous sommes nous-mêmes notre piège. Donc, réfléchis un peu. Donc... Tu me demandes de réfléchir, moi qui n'ai jamais réfléchi de ma vie. Et précisément, ce que tu n'as jamais fait. Mais tu comprends ? Hein ? Tu comprends ce que je n'ai jamais fait ? Cela, précisément, précisément. Alors je pense que j'ai trouvé cela. Tu t'imagines Électre qui veut encore s'allier avec toi ? Avec moi ? Hein ? Et même t'épouser, faire des enfants avec toi. Il ne sera plus Électre. Ni toi la nourrice si tu dis autre chose. Et Égiste, si... Si... Je pourrais avoir pourquoi pas du désir pour Électre, moi. Et moi pour toi ? Inverser les rôles ? Ne le dis pas de cette façon. Comment dire autrement ? Comme si tu n'étais pas toi. Enfantillage. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, au moins entre nous. Mais ce sera déjà quelque chose. Même si je crois que ça nous mènera très loin. Mais où ? Ailleurs. Ailleurs. Nulle part. Tout cela n'est pas sérieux. C'est cela qui nous a fait du mal. Être sérieux. Il faut de l'audace. Même si cela nous détruit, puisque nous le voulons tous. Quoi ? Nous l'apprendrons quand cela arrivera. Autrement dit, faire autrement que ce que nous sommes. Je ne sais pas, mais cette idée, j'en suis folle. Retiens-toi, mon enfant. Je vais le réveiller. Non, non. Il ne faut pas. Quand viendront les autres, qu'ils nous trouvent tels qu'ils s'y attendent. Mon enfant, c'est pour ton bien. Oh, hé, je ne te supporte plus. Cesse de jouer les bonnes âmes, les protectrices. Laisse tomber les mon enfant. C'est pour votre bien. Toi non plus. Il ne faut pas qu'ils te trouvent tels qu'ils te connaissent. Le premier
bon signe. Tu as compris quelque chose? Ben, c'est simple. Je ne sais pas si c'est possible. Et si c'est possible? Eh bien alors, je ne te dis rien. Maintenant, j'ai peur. Pour de bon. Ça va être un carnage. Il ne faut pas la laisser. Qui pouvait s'y attendre? Seul Electre aurait une telle idée. Et pourtant, ce n'est ni Electre, ni Clytemnestre, mais... Chrysothémis qu'il a eue. Elle n'osait jamais lever les yeux, elle semblait sans cervelle. N'ouvrait pas la bouche, et maintenant... Ne ris pas si fort. Laisse-moi, jamais je ris comme ça. Cassandre, elle vous a tous réveillés. Qui ça? Elle n'est pas réveillée encore. Réveillons-la. Elle doit toujours dormir. Demandons-lui. Elle sait ce que nous devons attendre. Parce qu'autrefois, ce qu'elle disait arrivait. Oh. Maintenant, elle dort d'insomnie. Et qui sait? Elle dira peut-être quelque chose. Et que veux-tu savoir? Ce que Chrysothémis a dit. Ah, donc elle te préoccupe, hein? Ce serait une solution, l'idée de Chrysothémis, Cassandre. D'Iphigénie. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Chrysothémis? Elle ne vous a pas réveillé pour vous dire... C'est ça, la cause. Chrysothémis? Iphigénie est coupable de tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Très intéressant. Cassandre, tu as dit que c'est Iphigénie? Pourquoi? Il ne faut pas qu'elle recommence. Mais quoi? Quoi? Ça. Voilà qui est clair. Et pourtant, ça dit quelque chose. Si elle ose le refaire... Oui, oui. Quoi? 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 Elle va voir. N'essaye pas, Aegiste. Elle n'est pas sortie du sommeil. Celle-là, elle n'a besoin ni d'entrer dans le sommeil, ni d'en sortir. Elle est de toute façon égarée. Je sais très bien ce que je dis. C'est quelque chose qui est arrivé, mais qui ne doit pas se répéter. Ce n'est pas logique? Très logique. Mais tu parles de quelque chose qui est arrivé. Je ne le laisserai pas se répéter. Toi, tu disais toujours... Maintenant, seul ce qui est arrivé me préoccupe. C'est cela seul à quoi je pense. De cela seul, je veux parler. Précisément ce que nous disions plus tôt. Quoi? Cassandre, ne l'as-tu pas remarqué? Elle l'a fait pour de bon. Elle est entrée toute seule, là-bas. Peut-être que pour elle, c'était plus facile. Le temps, c'est son domaine. Passer de l'après à l'avant, son caractère propre, c'est le temps. Tandis que pour nous, elle ne peut s'en prendre qu'à sa propre cervelle. Mais moi, je ne suis pas seul. J'ai devant moi Agamemnon, Clytemnestre, Électre, Oreste. Me laisseront-ils n'être plus Aegiste? Et toi, tu les laisseras? Ouais, s'ils veulent. Et toi, tu le veux? Il faut que nous nous mettions d'accord. Vous? Le projet est commun. Nous sommes tous liés par le même destin. Même destin? Projet commun? Oui, oui, c'est vrai. Comme cela paraît creux à entendre. Nous avons fait ce que nous avons fait. Et cela est arrivé une fois pour toutes. Et cela arrivera. Nous sommes enfermés à clé dans nos actes figés. Chrysothémis a pensé à quelque chose d'impossible. Et pourtant, ne te moque pas de moi. Moi aussi, je me contredis. Même si ça m'a terrifié, on dirait que c'est la dernière chose qui reste à penser. Jamais je ne me suis senti davantage nourrice. Je sens qu'un nouveau danger vous menace. Un danger d'un autre genre. Mais je ne sais pas comment l'affronter, comment vous protéger. Davantage nourrice et démunie. Quand finira la renaissance de la terreur? Le retour de la menace, l'angoisse. Des êtres vivants créés pour être ce que nous sommes. Si nous cessons de l'être, que reste-t-il? Nous n'existons pas, c'est tout. Je ne peux être qu'Aegiste. Un instant, j'ai cru, oui. Son enthousiasme, il t'a séduit. Cela semblait beau et simple. Oh, tu te fais des idées. Attends. Et que cherchons-nous? Si je cesse d'être Aegiste et ne suis plus rien, si de ce que j'étais, il ne reste rien,
C'est ça, j'ai trouvé, mais fantastique. N'est-ce pas ce que nous voulons? Qu'on vienne et qu'on ne trouve rien. Ni Égiste, ni Cassandre, ni nourrice, personne. Oui, c'est une pensée juste, parfaite. Mais il faudra l'exécuter à fond. C'est seulement ainsi que nous trouverons le calme, que nous oublierons la fatigue enfin. Le calme, après tant de siècles, la sérénité. La mort? Non pas la mort d'Égiste, qui revient sur la scène et refait les mêmes choses. L'autre, la vraie, la seule, la mort d'Égiste qui ne revient pas. Car l'a trouvé cette mort-là qui ne permet aucune échappée, oui, la véritable mort de nous tous. Ça, c'est encore plus difficile. Mais pourquoi? Comment allez-vous mourir pour de vrai? Nous mourrons comme font tous les vivants. Vous, qu'en dites-vous? Commence par ne pas t'inquiéter. Et ne pas aimer. Déteste-les. Et cesse de questionner. Écoute, Agamemnon. Que tout ce qui arrive soit d'une dignité sans défaut. J'exige de rester jusqu'à la fin la reine Clytemnestra. Que ce qui doit arriver arrive du moment que notre gloire est sauve. Ce que ce sera, peu m'importe, tant que nous ne sommes pas humiliés. Mais pourquoi dis-tu cela? N'est-ce pas toi qui vas décider? N'est-ce pas toi qui feras le dernier choix? Qu'est-ce que cela veut dire, peu m'importe, et que ce qui doit arriver arrive? Pas question que j'exerce le moindre pouvoir, cela ne me dit plus rien. Non, je ne te comprends pas. Tu es Agamemnon. C'est toi qui as le dernier mot encore. Non, c'est fini. La matrice est brisée. La bête ne palpite plus en moi. Mes entrailles sont mortes. Le sang n'est plus fumant dans mes veines. Il ne reste plus que le masque. Il est en or, mais derrière, plus de visage. Je suis un tombeau, vide, et en plus, familial. Mais qu'est-ce que cela veut dire, hein? Si toi tu cesses d'être Agamemnon, alors moi, hein, qui suis-je? Qui serais-je? Chrysothémis a raison. Depuis quand a-t-elle raison, celle-là? Tout est fini. Mais rien n'est décidé encore. Nous devons l'admettre, enfin. Quoi? Et nous y livrer. Nous avions dit que nous ferions seulement semblant. Mais cela ne peut pas être un simple faux semblant. C'est une réalité. Une réalité. La réalité, le métal le plus résistant, ne la sous-estime pas, car c'est toi qui vas perdre. Rien n'est plus réel que nous. C'est nous le métal le plus résistant. C'est nous la réalité. Il y a quelque chose de plus fort qui demande qu'on en finisse. Une autre réalité nous le demande. Il faut lui donner ce que nous sommes. Lui donner tout. Tant de défaitisme pour un chef d'armée. Tant de concessions chez un triomphateur après 10 ans de guerre avec 3 en feu derrière lui. Et puis, après l'avoir tué, aujourd'hui, tu veux que ça arrive encore? C'est cela que tu veux? M'égorger encore dans les bains? Vainqueur, triomphateur, allons donc. Toute la gloire de la guerre est pour toi. Tu ne veux pas la perdre, chef des armées, allons. C'est toi. Oui, tout cela est arrivé. Si seulement elle n'était arrivée qu'une fois, l'éternelle répétition. Tu n'es pas fatigué, toi. Tu n'en as pas assez. De lever, de relever la hache. Tu n'es pas satisfaite encore, tant ta haine contre moi est infinie. Mais c'est là ma destination? Je suis Clytemnestre. Je dois te haïr. Désirer Égiste, attendre ton retour, préparer ton meurtre et te tuer. Ma fille là-bas me hait, celle-là, Iphigénie. C'est la seule qui fait que je me sens mère et dont je sais qu'elle m'aime comme je l'aime. Et mon fils est là. Il va me tuer. N'oublie donc pas ce que je subis moi aussi, hein, c'est écrit. Les textes le disent, nous sommes des mots et des actes faits de mots. Est-ce ma faute si certains m'ont écrite ainsi? Faut que je sois telle qu'on m'a écrite. De cela non plus, tu n'en as pas assez? De revivre sans fin ta mort? De revoir ton fils revenir encore et encore, et de repasser à chaque fois par le martyr de l'aveu, de l'imploration, de la grâce refusée, de la plainte qui n'attendrit pas le cœur de ton fils, qui ne désarme pas sa main? C'est Iphigénie qui doit commencer. Montrer l'exemple la première. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Cassandre? Iphigénie, si tu ne les écoutes pas, ne les écoute pas, n'écoute personne, ferme tes oreilles aux paroles de ton père, alors seulement rien n'arrivera jamais de ce qui est arrivé. Arrive.
arriver. Si le vent ne souffle pas, Troie ne sera pas détruite. Si les navires ne s'en vont pas, ma famille entière ne va pas disparaître. S'ils ne te mènent pas à l'autel, la guerre de Troie n'arrivera plus. Tu sais pourquoi ils vous ont fait venir en Olyde, ta mère et toi. Ne retombe pas dans le piège. Ne les crois pas une fois de plus. Deviens celle qui sauvera une foule entière d'êtres humains. Deviens le bonheur de nombreux peuples. Si tu le fais, il n'y aura rien qui puisse aller à sa perte. Ce qu'ils attendent de toi, ne leur donne pas. Ça alors. Depuis quand est-ce que Cassandre... Non, écoutons ce que va dire Iphigénie. Ne pas me sacrifier, c'est ce que tu me demandes? Et que la guerre n'arrive pas? Je vous ai tous trompés. Pour que tu me dises tout ce que j'ai entendu, il faut que tu n'aies pas compris qui je suis, et personne d'autre n'a compris. Ne pas me sacrifier pour que n'arrive pas la guerre de Troie, comme vous me connaissez mal. Comme tout le monde me connaît mal. Comme ils sont sûrs de tout ce qu'ils attendent de moi. Quand ils disent « Iphigénie », il leur vient tout de suite à l'esprit l'image de la Vierge sans tache, de la victime innocente, de la fille trompée, injustement sacrifiée. Comme ils se trompent. Comme tout cela est loin de la vérité, parce que moi... On parle enfin, que veux-tu dire? Je serai brève, mais ne laisserai pas passer l'occasion. M'a-t-on jamais demandé ce que je veux, ce que je pense, ce que moi j'ai compris? Jamais! Pourtant, j'ai accepté qu'on me sacrifie, et que le vent souffle enfin en Olyde, car je voulais que les navires s'en aillent, qu'ils atteignent Troie, que la guerre arrive, que soient tués des corps innombrables des deux côtés. Car moi, je suis née pour la haine. Je suis née pour voir s'entasser des cadavres, le sang couler dans des batailles sans fin, que ne finissent jamais la douleur et le malheur. Je ne me suis pas sacrifiée pour la gloire de la Grèce, ni pour faire plaisir à mon père, ni par héroïsme. Si je me suis sacrifiée, c'est pour d'autres raisons. Il y a d'autres motifs, autres sont mes désirs. Je l'ai fait. Car ce que je veux, c'est qu'arrive et arrive encore la guerre de Troie. Que les cadavres se multiplient, s'entassent. Ce sont eux qui me donnent à moi toute la beauté du monde. Pour moi, ils sont la beauté. Ma matrice est vibrante face à l'horreur, plus que si s'introduisait en elle le plus beau et le plus fort des phallus. Pour moi, ce n'est pas Achille qui m'emplit de volupté. Pour moi, la volupté, c'est la mort d'Achille. La mort est pour moi la plus grande jouissance. C'est pour elle seule, que je veux que se répète mon sacrifice. L'horreur, l'horreur et la guerre éternelle, uniquement pour satisfaire mon besoin de destruction. Ce n'est pas Iphigénie. C'est moi. Je ne te veux pas ainsi. Que tu le veuilles ou non, c'est ainsi que tu m'auras. Non, tu n'es pas ce monstre, et si tu l'es... Je suis ce que tu ne voyais pas, maintenant tu le vois, c'est cela le vrai, regarde-le. Regarde-le! Je veux pas le voir. Alors, il ne reste plus pour la mère que de faire ce qui s'impose quand elle n'a plus le contrôle de sa fille. Mère... Je le ferai. Troie est sauvée. Ma famille échappe à jamais à tous ces malheurs. Plus de Polyxène jetée du haut des remparts. Plus d'Andromaque emmenée en exil en esclavage. Plus d'Astyanax égorgée. Plus de Priam, les cheveux couverts de cendres. Plus d'Hector attaché derrière un char, déchiqueté, teignant les pierres de son sang. Plus d'Hécube en pleurs, se frappant la poitrine, hurlant de désespoir, de rage, d'envie de vengeance. Et moi, je ne me retrouverai jamais à Mycène. Je ne mourrai pas comme je suis morte.
Nous vivrons tous dans notre ville, heureux. Tout ça, je le vois. Je vois ce qui n'arrivera pas. Et ce que je vois n'arrivera pas. C'est le début d'un vertige. Que tout arrive très vite. Que tout arrive sans que nous ayons le temps de penser. Que quelqu'un fasse quelque chose vite. Que quelqu'un mette fin à cette inaction terrible. Vous, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre. Moi, au reste, j'ai pris la mienne. Je ne le referai jamais plus. Ça fait longtemps que j'y pense. Je ne vais pas tuer encore ma mère. Je n'ai aucune envie d'être le coupable, le maudit, le malade, le persécuté. Ni même d'être délivré du sang de ma mère. Fini pour moi, tout ça, fini. Les textes, moi je m'en fous, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mes paroles me dégoûtent. J'en ai marre de les dire, de faire ce qui est écrit une fois pour toutes. Je ne veux pas, je ne veux plus être au reste, plus cet au reste-là. Je ne sais pas s'il en existe un autre. Non, plus celui-là, plus jamais. Bah, si c'est comme ça, bien que les autres... Puisque tous, nous ressentons la même fatigue, puisque nous voulons nous en sortir... Ma haine, je l'aime. Ça me plaît d'être Électre. Ça me plaît d'être plongée dans la douleur à cause du meurtre de mon père. Ça me plaît de me vautrer dans la fureur contre ma mère. D'être folle de rage quand je la vois heureuse, qui crie de joie après le crime dans les bras des gistes. Ça me plaît de jubiler quand je pense à mon frère et que j'attends le jour où il reviendra pour se venger. Tout ça me plaît. C'est ce que moi je veux. J'en ai besoin. Je n'en ai pas assez. Je n'en suis pas fatiguée. Au contraire, j'attends impatiemment que le deuil recommence, que je revive le désespoir, la colère, que je m'empoigne avec elle, que je l'injurie, que j'entende ses injures, que je vois son visage qui déforme sa perversion et que je perde la tête à force de malheur, que je pleure mon père, que je souhaite sa mort à elle, que je sois ensevelie dans ce noir, que je vive sans compagnon dans une tombe avec pour seul espoir le retour d'Oreste. Oh, comme je veux revivre notre rencontre inespérée, l'immortelle reconnaissance qui a toujours fait frissonner d'innombrables spectateurs, secoués par l'émotion quand ils me voient tomber dans ses bras criant « Mon frère, enfin ! Oh, ma lumière, tenons-nous serrés comme des bêtes pourchassées !» Et ensuite, le meurtre. Ah non, non. Je ne veux pas, moi, perdre ces cadeaux. Je n'ai rien d'autre dans la vie. Ce que je veux, c'est être pour toujours Électre. Si tout le monde préfère... Qui, tout le monde ? La plupart ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'ils ne veulent pas. C'est toi qui le dis, Chrysothémis. Personne d'autre. Je ne t'ai pas demandé, Électre. Ne tourne pas l'esprit de contradiction. Moi, je suis comme ça. Mais tu ne l'es plus. Je le suis. Tu l'étais. Je le suis. Personne ne veut plus de toi. Tout le monde en a assez. Moi, on me veut plus que vous tous ? C'est moi dont on attend que je vienne crier, pleurer, jurer, me lamenter, gronder, hurler de joie et de triomphe. Et je suis l'héroïne tragique la plus populaire. Le personnage favori du drame antique. C'est moi qu'on plaint le plus, c'est avec moi qu'on s'identifie, qu'on participe le plus. C'est moi qui suscite la plus grande émotion. Mais plus maintenant. Pour toujours. Et nous, qu'est-ce qu'on t'a fait, hein? Nous, on ne veut pas. Si toi, tu es coquette, hein, on est fatigué. Ça m'est égal. Mais tu es impossible, hein. Il n'y a pas plus impossible que toi. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Tous ces gens qui t'apprécient, je me demande pourquoi. Hein. Demande-leur. Eh bien? Je vais continuer. Seule ? Oui. Toujours seule. Je n'ai besoin de personne. Partez tous. Je me débrouillerai. Tu as perdu. Te débrouiller comment ? C'est une tragédie collective, familiale. Comment vas-tu jouer toute seule ? Quand nous serons partis ? Personne ne va partir. Personne ne veut partir. Tu ne les vois pas, qui se taisent ? Ce que nous faisons nous plaît à tous. C'est ce que nous voudrons toujours faire. Nous continuerons comme avant. Il arrivera aujourd'hui ce qui arrive à chaque fois. Rien ne changera. Tu te replies sur toi-même et tu n'écoutes que toi. Tu ne t'occupes pas des autres. Je sais ce que vous ressentez tous. Ce sentiment n'est pas nouveau. Lassitude,
Ennui, répétition, le temps qui n'en finit pas, qui sans cesse recommence, toujours le même. L'éternité des répétitions recommencées. Asphyxie, asphyxie, asphyxie. On pousse les murs et ils ne tombent jamais. On sort du lit pour toujours refaire les mêmes gestes. On voit le même visage dans le même cristal, sous la même lumière. Encore et encore les mêmes sourires, les mêmes larmes, les mêmes haleines. D'innombrables fois, le désespoir. Se haïr, ainsi que les autres, pour tout ce que tu ne peux pas, ce que tu ne pourras jamais. Ce jamais. Et pourtant, quand vient le moment d'entrer en scène, nous recommençons avec la même passion notre drame éternel. Et ça nous ravit que ça recommence. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Regarde autour de toi. Regarde-les. Aucune joie, aucun plaisir. Je ne veux regarder personne. Pour que tout arrive comme tu le veux. C'est toi qui veux décider de ce qui arrive. Ce que tu veux n'arrivera pas. Rien n'arrivera de ce que tu veux. Oh, chienne. Tu vas voir. C'est par elle. Si tu avais fait preuve de poigne dès le début. Moi j'en ai eu dès le début. Tu as été sa première victime. Et quelle poigne! Je ne crois pas que tu le regrettes. Ou veux-tu dire la poigne que vient de montrer Égiste en séparant nos filles? Cela n'est pas de la poigne. Je pense à une autre. C'est elle que je regrette. Une poigne qui protège, qui préserve du danger, qui est l'assurance d'une famille saine. Mais je l'attends. C'est elle que j'admire. Non pas ce qui nous est arrivé, non pas l'horreur, non pas les meurtres, la confusion, la décomposition. Hein, je ne pense pas à celle-là. Celle-là, j'en suis, mais rassasiée. Elle m'a dévorée. Elle n'a laissé que des ruines. Des ruines dans la tête et dans le cœur. Tout cela ne nous intéresse plus, ma mère. C'est précisément de cela qu'il faut nous défaire. Nous avons très peu de temps. D'un instant à l'autre, ils vont venir nous envoyer sur scène. Bientôt vont commencer les bruits des préparatifs. Il faut que nous décidions vite. J'ai honte pour toi, Oreste. Tu devrais leur faire grincer des dents. Tu venais toujours confirmer les espoirs, combler les attentes. Tu étais le sauveur, la lumière du jour, le justicier. Et maintenant, te voilà, recroquevillé, les bras croisés. Tu refuses d'agir, tu ne fais que voir et entendre sans réagir. Je n'entends pas, je ne vois pas. Pourquoi? Tu es sourd? Tu es aveugle? Rien ne me touche. Le sort de ta famille, le meurtre, ça ne te touche pas? N'insiste pas, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai toujours été comme ça. Jamais. Un jeune homme vaillant, né pour la gloire, un héros. C'est toi qui me voyais comme ça. Qui me voulais comme ça. Ce que j'ai fait, c'est toi qui as voulu que je le fasse. Je l'ai fait pour toi. Je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été pour toi. Toi, tu ne l'as pas fait parce que tu n'osais pas. Tu attendais tout de moi. Moi, je n'ai jamais voulu ce que j'ai fait. C'est comme si toi, tu l'avais fait avec ma main à moi. Tout seul, je n'aurais rien fait. Mensonge. Mensonge. Nous avons décidé ensemble comme un seul homme. Nous avions la même haine contre la mère, la même contre son amant, le même amour, la même vénération pour le père. Possible. Mais moi, je n'étais pas fait pour tuer. Sans toi, je n'aurais jamais levé l'épée pour tuer la mère, ni même son amant. J'ai le dégoût du crime. J'ai le dégoût du sang. Je hais les assassins, les héros. Je hais la vaillance, la force, la vengeance. Je ne veux pas de pouvoir. Je veux être invisible, obscur, sans force. Je veux rester seul, n'accepter jamais aucune obligation, aucune fonction. Seul avec mon corps, seul avec mon cerveau, pour mettre de l'ordre dans mon cerveau, mon cerveau, mon cerveau. Pour tenir le coup, pour offrir un peu de sérénité à mes nerfs. Dormir en douceur, me réveiller en douceur. Sans pression, sans les bruits de visions horribles, inconnues parmi les inconnus. Passer ma vie dans l'ombre. Et toi, tu me demandais le contraire. Tout ça a fait dérailler mon cerveau, a brisé mes nerfs, rempli mon âme de folie, de la terreur, de la folie. Tu as rendu mon corps malade, tu as pourri mon sang. C'est à cause de toi que j'en suis là, tu m'as détruit. Je t'ai demandé ce qu'il fallait. C'était pour moi une obligation, je suis ta sœur. Je me devais de te dire ce que dit une Electra au reste. Tu n'avais qu'à ne pas me le dire, tu n'étais pas obligée. Je l'étais, mais j'y croyais aussi, j'y croirais toujours. Tu peux le croire, mais moi, lâche-moi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je peux...
Je peux! Je serai quoi sans toi? Ça ne m'intéresse pas, on va te faire pendre. Tu n'as pas pitié de moi. Tu veux qu'on ait pitié de toi? Moi, je n'ai pas de pitié pour toi. Et elle, notre mère, qui va la tuer? Je ne sais pas. Qu'elle ne soit tuée par personne! Qui vengera la mort de notre père? Que personne ne la venge, enfin! Personne! Alors plus rien ne va rester debout. Mais plus rien, très bien! Il ne faut pas que ça arrive. Nous avons beaucoup fait, beaucoup vécu, ça suffit comme ça. Il est temps que nous partions pour ne plus revenir. Nous sommes immortels, Oreste. Nous aussi, nous mourrons, mais nous sommes immortels. Moi, je veux mourir une fois pour toutes. Oreste, ne meurs pas. Il mourra. Je ne le permettrai pas. Et moi, je te dis qu'il mourra. Je ne le permettrai pas! Arrête! Tu es comme ta mère. Tu l'as toujours été. Je ne vous ai jamais distingués. Vous vous haïssiez l'une l'autre puisque vous étiez pareils. Vous vouliez la même chose, rongée par la même voracité, la même fureur, le même délire. Père? Non, ne m'appelle pas ainsi. Tu convoitais la place de ta mère. Folle de rage quand ta mère m'a tué, car tu avais perdu à jamais l'occasion. Tu n'avais plus aucun espoir de coucher comme épouse dans mon lit. Oh, ce n'est pas vrai. Oh non. Dis pas n'importe quoi, toi aussi. On essaie de me comprendre et sans arrêt, on se trompe ignoblement. On me rabaisse, on m'humilie. Je ne suis pas ce genre de serpent. Je ne connais pas une telle luxure. Je suis née sans la torture du plaisir. Je ne veux pas d'homme. Pas un seul. Pas un homme dans mon lit. Pas un en moi. Tu n'as jamais eu ma sympathie. Qui t'a donné le droit de me venger? Mon assassinat était une affaire entre moi et elle. Toi, tu n'avais aucune place entre nous. Aucun mandat pour punir. Tu as tout pensé, tout combiné dans une fureur érotique insatisfaite. Tu es un monstre, une perverse. Ce n'est pas toi qui dis ça. Oh, mais je le dis. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu croyais? Si je ne l'ai jamais dit, crois-tu que cela veut dire que je ne le pensais pas? C'est moi qui le dis, ce sont mes propres paroles. C'est Agamemnon qui parle, qui dit ce qu'il pense. Je le gardais en moi et maintenant je le dis, j'éclate. Et si je ne reparle plus jamais, cela m'est égal. Tout est faux! Tout est à démolir! Nous devons quitter le devant de la scène! Nos passions n'ont instruit personne. Nos châtiments n'ont apporté aucune délivrance, aucun mieux, aucun changement. La souillure continue comme s'il n'y avait eu avant aucun savoir, aucune conscience. Tout ce que nous avons dit est fait à plusieurs aspects. Les interprétations de nos passions sont innombrables, mais nos actes n'ont pas été correctement rapportés. On les a mal interprétés. Il y a de nombreux autres paramètres. Des rapprochements n'ont pas été utilisés, sont restés inexploités, passés sous silence. Nous ne sommes pas seulement ce qu'on apprend. Les textes n'épuisent pas, quelle que soit la version, notre vie. On nous a présenté de façon unilatérale. On a schématisé la présentation de nos relations. Moi-même, personnellement, je me sens mal à l'aise dans ce tableau. Il ne me contient pas tout entier. Qu'a-t-on montré de ma personne ? Les grands poètes se sont consacrés à moi, mais le temps a montré qu'ils étaient prisonniers de leur époque. Ils ne pouvaient en être autrement. Mais ce n'est seulement cela, Agamemnon, Agamemnon, tout entier. J'ai le sentiment d'une injustice. Je suis capable de choses dont nul n'a pu imaginer que je pourrais les accomplir. Je me sens emprisonné dans les limites d'un personnage, et cela n'est seulement qu'une toute petite partie de moi. Parler autrement, désirer autrement, me fâcher autrement, montrer d'autres capacités, d'autres faiblesses, explorer des régions que je cache en moi, dévoiler tous mes aspects, mes contradictions, plus dur, plus doux, plus abject, plus avide, plus sensible, plus divin, voyou, voleur, vicieux. Ce que les autres sont à eux tous, montrer que moi, je le suis à moi seul. Ah oui, mais ce que les gens voient de moi, c'est le plus accessible, le plus creux, le banal. Non, je refuse mon image. Oui, c'est vrai, Jean-Marc. Moi, je suis très satisfaite. On m'a décerné des honneurs qui me placent à jamais au plus haut. Ouais, c'est à mon assassinat que tu le dois. Et rien que pour cet assassinat, moi, je voudrais que nous ne finissions jamais. Et ton propre assassinat? Il ne me gêne pas. Au contraire, il porte à son comble ma grandeur.
bourreau et victime. Je donne la mort et trouve la mort. Après avoir fait ce que je voulais, j'ai aimé, j'ai été aimée, j'ai été rassasiée de pouvoir, j'ai été pleinement femme. Comment peut-on être pleinement femme si l'on ne fait pas tout ce que moi j'ai fait? J'ai prouvé que la femme est la bête fauve, qu'il n'y a pas au monde un mal plus redoutable. Si le monde est anéanti, ce qui arrivera, la cause en sera la femme. Si le monde se trouve là où il se trouve, et il se trouve encore immuablement au plus mal, la femme est responsable. La femme ne cessera jamais de maintenir le monde au bord du gouffre, de le menacer d'une dégringolade finale. Voilà qui je suis, qui je veux être. Mon rôle à moi, c'est un orgasme. Toujours, toute ma vie, j'ai poursuivi l'orgasme. Et toute ma vie a été un orgasme. Même le moment où m'égorgeais au reste, j'étais prête pour la saillie. Mon sexe épanoui, approfondi, comme aux heures où le labourait, l'ensemencé et giste. Et plus encore, quand je t'égorgeais, toi, là, je suis montée presque à l'extase. Un instant, j'ai cru que la hache allait me tomber des mains. Je t'ai frappé 3 fois, mais mes orgasmes dans les bains avaient dépassé les 1003. Un peu plus et j'allais mourir de ma propre foudre. Jamais auparavant, jamais par la suite, je n'ai été soulevée par une telle tempête de sensations, un tel déluge érotique. Et Égiste, figure-toi, mais tu le sais, ne m'a jamais laissé inassouvi, et c'est peu dire. Il n'y a pas d'autre amant comme lui dans toute la Grèce. Voilà pourquoi d'ailleurs je lui ai tout donné, mon corps, mon lit, le pouvoir. Mais mes orgasmes, quand je t'égorgeais, seuls ceux du jour où m'égorgeais au reste leur sont comparables. Quelle déflagration générale, quelle explosion universelle. Oui, j'ai été chanceuse. Je désire le rester. Où trouverais-je ailleurs d'aussi fortes secousses charnelles? Quoi d'autre me garantira le retour cyclique de pareille volupté? J'avais raison, tu es comme ta fille, toutes les deux malades. Que deviendrais-tu sans nous? Ce que je ne suis pas devenu. Vous ne me l'avez pas permis. Laissez-moi tranquille toutes les deux, voilà ce que je veux. Oui, ce que toi tu veux. Oh, mais je n'ai pas besoin de vous. Nous avons besoin de toi. Je ne vous donnerai pas cette joie. Chrysothémis, combien de temps avons-nous? Moins d'une demi-heure. Quelle est la situation actuelle? Combien sont d'accord avec l'un des points de vue, combien avec l'autre? Électre, Clytemnestre se déclare pour la poursuite. Pour l'interruption, Oreste, Agamemnon, Cassandre, Égiste et moi. Nous l'emportons. Vous l'emportez, mais vous perdez. Tu es né pour me haïr. Toi, mon père, moi je t'ai aimé. Toi et Oreste. Cet amour, c'est une tare chez toi. Est-ce que l'amour peut être une tare? Elle demande s'il peut. Bien sûr qu'il peut. Regarde autour de toi. Je regarde en moi. Et que vois-tu? Rien que le bien. C'est ce que tu crois. Tu n'as jamais vu clair et juste. Oh! Laissez-moi! Laissez-moi! Je vous ai tout donné, vous me jetez tout à la figure. Je me suis mise en noir. J'ai pleuré, hurlé, me suis frappée, sacrifiée. J'ai consacré toute ma vie à un tombeau, à un parricide, à la mort. C'est pour toi que tu as tout fait, c'est pour toi seulement. Mais moi, c'était vous. Nous, ça n'était pas toi. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, ça suffit, nous ne voulons rien d'autre. Non, ça ne suffit pas. Qu'allons-nous faire d'elle? C'est ce qu'on a toujours dit de moi. J'ai toujours gêné. Tout le monde voulait se débarrasser de moi. Vous ne vous débarrasserez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez jamais. Voilà que pour une fois, nous sommes d'accord sur un point, ma fille et moi. Vous n'allez pas vous en tirer facilement face à nous deux. En tout cas, c'est moi. Plus que toi, Clytemnestre, c'est moi qu'Électre haïssait. Sans moi, peut-être,
Elle ne t'aurait pas haï à ce point. Sans moi, peut-être, sa fureur n'aurait pas été si forte. Hein? N'est-ce pas, Electre? N'est-ce pas moi que tu haïssais d'abord? Et la mort de ta mère n'a-t-elle pas été moins douce pour toi que la mienne? Quand tu m'as vu égorgé à côté d'elle, n'est-ce pas moi que tu regardais avidement pour que ton regard se rassasie de mon sang versé, que ton cerveau se remplisse de mes blessures, que ton cœur se réjouisse à la vue de mon corps? Alors tu t'es sentie triomphante quand tu m'as vu tomber à tes pieds, inanimée, incapable à jamais de parler, de rire, de coucher avec ta mère dans le même lit, de la faire gémir de contentement dans mes bras. Et tu nous entendais, hein? N'est-ce pas que tu nous entendais? Tu m'avais, devant toi, cadavre sans force, tu m'as frappé du pied, je crois, hein? Il t'a fait plaisir, ce coup de pied, hein? Ouais, plaisir. Ton visage n'avait jamais brillé d'une telle satisfaction. Comme si tu recevais de moi ce que j'avais donné à ta mère. Ce coup de pied a fait frissonner tout ton corps. Comment pourrais-tu ne pas vouloir revivre ce coup de pied, hein? Moi, couvert de sang, et toi, hein, avec ton coup de pied? Un tel plaisir, on ne peut le revivre autant qu'on veut. On ne s'en lasse pas. Tu veux le revivre, hein? Me revoir mort, hein? Pourquoi te détournes-tu? Je sais. Tu ne me hais pas seulement. Je te dégoûte. Tu vois en moi un débauché. Mais toujours, tu avais beaucoup de mal à détacher ton regard de mon visage, de mon corps. Tu avais du mal à regarder ailleurs quand je passais près de toi. Hein? Tu ne pouvais pas ne pas me regarder. Je suis un homme. Un homme, toi qui ne savais pas ce que c'était. Tu comprenais pourtant quel homme est vrai, quel homme peut donner à la femme le plus grand bonheur. Regarde-moi. Ne détourne pas le regard. N'essaye pas. Je suis là. Hein? Vivant. Regarde, là, regarde, tes yeux, Electre, tes yeux, dans mes yeux. Félicitations, Égiste. Tu as très bien fait, il le fallait. Non, non, il n'avait aucun droit de porter la main sur Electre. Ce n'est pas là ton rôle, Égiste. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu fais ça? Oh, c'est trop pour moi, Electre, mon enfant. Clytemnestre pleure sur le cadavre d'Electre. Elle n'est pas morte. Et pourtant si. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Même Cassandre n'aurait pu prévoir une telle évolution. Electre n'est pas vivant. Ça, nous le savons, Cassandre. Electre n'est pas vivant. Tu n'as rien d'autre à nous dire? Electre n'est pas vivante. Elle ne dit plus que ce que l'on sait, que ce qui est accompli. Cassandre fait un effort. Vois-tu autre chose? Quelque chose de nouveau? Bah, parle-nous de l'avenir, même s'il est proche. Dis-nous quelque chose sur les minutes qui viennent. Electre n'est pas vivant. Electre n'est pas vivant. Oh non, mais faites la taire. Je ne l'ai jamais supportée. Alors maintenant... Oh, laissez-la. Elle va parler. Elle est prête. Je suis venue de Troie, amenée par Agamemnon. J'ai laissé derrière moi mes parents... Mes frères et sœurs. Ensuite, Cassandre, ensuite. Aujourd'hui, maintenant. Clytemnestre a tué Agamemnon. Elle m'a tué, moi aussi. Clytemnestre, tu dois la démentir. Elle le mérite. Rends tout de suite mensongère ses prophéties. Oui, mais là, tu as fait ce que tu as toujours fait. Rien n'a changé. Bah, pas tout à fait. Je la tue toujours après toi. Mais moi, tu ne m'as pas tué. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai fait autrement. Je sens autre chose. Ça, ce n'était pas une mort. Bah, tu veux essayer avec moi aussi? N'hésite pas, nous sommes là en dehors de notre pièce. Et tu l'as compris, nous n'allons pas y rentrer. En dehors ou ça en dehors? Je ne me suis jamais trouvé en dehors de cette pièce. En dehors, pour moi, c'est le vide. Ce n'est pas le vide, c'est une autre pièce.
Tu peux faire la même chose dans cette pièce-là. Fais-le, tu n'auras pas d'autre occasion. Cette pièce ne sera jouée qu'une fois maintenant. Ce sera la première et la dernière. Viens, montre comment tu me frappes. Comment tu m'abats. Comment tu frappes encore. Mais il faut qu'Égiste soit avec toi. Mais Égiste, approche. Tu le veux? Mais je te le demande. Pourquoi? Tu le demandes? Il n'y a pas de plus grand moment dans ma vie. C'est à lui que mène ton tapis rouge. C'est à lui qu'aboutissent les signaux lumineux que tu as vus partir de Troie cette nuit-là. En moi, ce tapis se prolonge. En moi continuent leurs échanges, les éclats des signaux de feu. Déroule à nouveau le tapis pour moi. Compte à nouveau avec des cris les sauts dans le ciel étoilé du messager de mon retour. Accueille-moi. Conduis-moi dans le palais. Déshabille-moi encore. Regarde encore, en simulant le désir, mon corps nu, qui plusieurs fois t'a rendu mère. Avec une invisible sournoiserie, montre-moi les vapeurs parfumées qui adoucissent le marbre des bains. Laisse-moi plonger lentement ma fatigue dans l'eau limpide et ses fumées. Place-toi derrière moi. Fais signe à Égiste. Prends la hache. Lève-la. Frappe-moi. Clytemnestre, lève la hache. Mais au même instant, Égiste l'empoigne par derrière. Agamemnon lui prend la hache et lui en donne un coup. Elle tombe morte. Arrêtons-les! Tu ne peux pas! Il est arrivé trop de choses. Laisse-les, voyons comment ça va tourner. Ils n'ont plus la force! À quoi bon la dignité désormais? L'efficacité de la fin, voilà ce qui compte à présent. Nous voici libres de faire ce que nous voulons de ce corps, de ses membres, de ses nerfs, de ses veines. Pour donner à nos vies la forme que nous désirons, nous pouvons maintenant, nous sommes totalement libres de devenir ce qu'on nous a interdit, de ne pas être ce qu'on a fait de nous, de provoquer, d'étonner. Ce que nous avons été appartient au musée des figures de cire. Jamais je ne me suis senti plus troublé, plus désorienté. Jamais autant de choses ne se sont bousculées dans ma tête. Mon cœur n'a jamais été à ce point rendu fou par ses battements. À chaque battement, une humeur différente. Jamais auparavant, ni à Mycène, ni en Olyde, ni à Troie, ni au retour, ni dans la guerre, ni dans la paix, ni dans la victoire. À l'approche de ma mort, je me sens tout neuf, prêt à commencer une nouvelle vie. Cessons de copier ce que nous avons été. Fini les recopiages. Le bonheur, c'est ce qui me remplit. Comme si des herbes poussaient en moi, après des siècles de sécheresse. Comme si mon sang refleurissait. Le printemps me submerge. Je suis tout entier, forêt et plaine et mer. Je me sens jeune. Quel bouillonnement de vie avant la fin. C'est cela, la mort. La plus forte intensité de vie. La dernière. Le bouleversement, c'est cela qui donne tant de joie. Beaucoup de choses peuvent arriver à un homme, mais rien n'est meilleur, n'est plus fructueux que les ruptures, les coupures. Grâce à elles, la vie parvient à son point culminant, au sommet de sa plénitude. J'ai moi aussi le même sentiment qu'Agamemnon. Nous avons quitté nos écrins, brisé les chaînes de la continuité. Nous avons prouvé que la continuité peut ne pas exister, et que cela est très bon, pas seulement utile, mais nécessaire et salutaire. Notre histoire avait repris comme un destin. La réputation était notre destin. Maintenant, nous sommes heureux, car nous faisons ce que nous n'avions jamais fait. Nous vivons pour la première fois après la première fois. Pourtant, il nous faut mourir. Cher ami, par la mort seulement, nous prouverons que la rupture avec le passé est définitive. La rupture avec la continuité. Notre mort sera la mort de la continuité. Il faut qu'il ne trouve rien que nos cadavres. Entre-temps, nous aurons été victorieux de nous-mêmes. Père, l'heure est venue. Tu pleures. Sur Cassandre. Je l'aimais. Si faible, si noble. Jamais elle ne parlait d'elle-même, comme si elle n'existait pas. Qui était-ce? Elle n'aurait pas dû mourir. Personne n'aurait su quoi en faire.
Il ne l'aurait pas laissée tranquille. Il pourrait fort bien reconstruire sur elle depuis le début tout notre cycle. Je les connais. Oh, comme je les connais. Ils sont capables, pour remplir leur scène, d'épuiser même un être à ce point épuisé. Elle était infiniment fatiguée. Une petite fumée. Elle n'avait que la force de parler, aucune autre. Mais ce qu'elle disait ne disait plus rien. Cassandre en avait terminé avant nous. Ne la pleure pas. Tu te mettras à nous pleurer, nous aussi. Oh, je suis pressé de vivre ma propre fin. Père, laisse-moi mourir avant toi. Moi, je ne suis pas pressé autant que toi. Moi, je suis plus pressé encore. Pressé de couper tous les liens, pas seulement avec ce que je suis, avec ce que je fais et dois refaire et qui me répugne. Pressé de ne plus voir le monde. Pour voir quoi suis-je né, mon père? Pour entendre quoi? La nature qui m'enrage avec ses alternances et ses changements soudains? La nature qui ne pense pas à nous? Ou les humains? Je n'ai tolère que malades ou morts. Ou quand ils sont frappés d'un grand malheur, alors seulement je ressens de la compassion. Sinon, haine et dégoût envers cette race bipède sans cervelle. Combien de fois j'ai souhaité qu'ils soient foudroyés tous ensemble, que la terre s'ouvre pour tous les engloutir, que je ne les revois plus, père. Je ne supporte plus la vie. J'ai toujours désiré la mort. Je suis né avec le désir de la mort. Jamais on a eu pitié de moi, jamais on a pensé à quel point j'avais besoin de la mort. J'en avais besoin plus que tout le monde. Elle, mon père, ils auraient dû me la donner dès le début. Les maudits, les sans-cœurs, ceux qui m'ont torturé avec mes passions, et ils ne m'ont même pas donné une vraie folie, même pas une maladie incurable, pour que je sache, moi aussi, que cette vie intenable a une fin. Toujours poursuivi, chargé de responsabilités, de crimes, de remords, d'accusations, de condamnations, de sang... Une mort, c'est ce que je demandais. Ma mort. Je donnais ma vie en échange. J'aurais dû supplier qu'on m'accorde le juste droit qui offre à tous, sans exception, la grandeur. La vie n'est qu'humiliation. Où qu'on se place, quelle que soit l'altitude, elle te fait descendre. Descendre et rien d'autre. La mort est le sommet. J'ai toujours admiré les morts. Je les regardais plein de crainte et d'envie. Je les voyais tous parvenus au plus haut. La vie nous l'interdit avec sa petitesse. L'horreur est une ascension. Seul le terrifiant nous élève à une hauteur démesurée. J'aimais la mort. Je me sentais amoureux d'elle. Je ne demande rien à la vie, je n'ai jamais demandé. La mort, je voulais dormir avec elle. Je veux que la mort m'emporte, père. Toute ma vie, je l'ai attendue. Tout m'en empêchait, m'en détourner vers d'autres devoirs. Vers elle, m'entraîne mon désir. Je ne peux plus attendre. Tout de suite, d'ailleurs, tout de suite. Oh. Reste! Ne le pleure pas. Oh, je ne le pleure pas, je l'appelle. Jamais je ne l'ai appelé par son nom. De même qu'il t'appelait se jetant sur ta tombe, lui non plus ne t'avait jamais appelé ainsi vivant. Il est né dans ta mort. Il n'aurait pas dû naître. La naissance de ce garçon était ma plus grande erreur. Un crime. Un acte répugnant, autant que la mort d'Iphigénie. Maintenant qu'il est mort, maintenant je connais ce garçon. Maintenant seulement, je ressens quelque chose pour lui. C'est affreux. C'est affreux. J'y pense et je me hais. Quel exemple avons-nous donné avec les passions d'une famille, puisqu'aucun de ses membres n'a jamais rien appris de ses erreurs? Nous n'avons offert que le plaisir stérile, le soulagement plein de coquetterie que les humains tirent du spectacle des malheurs des autres. Nous n'avons offert au monde que nos désastres, comme c'est malsain, et pour nous tous et pour les autres. Est-ce notre faute si tous ceux qui nous ont vus n'en ont tiré aucune conclusion utile? Est-ce notre faute si nos haines, nos empoignades, nos entre-déchirements n'ont jamais rien appris à personne? Jamais rendu meilleur qui que ce soit? Nos malheurs, pas une seule fois, n'ont servi de leçon. Voilà la vérité. Nous n'avons servi à rien. Comme si nous n'avions pas existé. L'échec de notre mission. Oui, un échec. Mais avions-nous une mission? Si c'était le cas, si j'avais su que je transmettais un message, que mes actes enseignent quelque chose, je serais jamais monté sur les planches, moi. Ah ben non. Non, aucune mission. Nous ne sommes les sauveurs de personne.
Alors que sommes-nous ? Des victimes. Comme tout le monde. Personne ne peut rien apprendre à personne. La douleur n'apprend rien. La douleur existe. Chacun meurt de sa propre douleur, de sa propre ignorance. C'est ça, la leçon. Toi, en tant que chef, que roi, tu as dû avoir la folie en toi pour croire que tu peux imposer ce qui est juste, diriger, guider. Je n'ai jamais voulu. Je n'ai été ni mari, ni père. Rien qu'un homme qui exécutait les instructions de son destin. J'ai vécu pour parvenir à mon terme. Oui, comme nous. Ah oui, mon ami, par des chemins différents, mais tous ensemble, vers le même point. Et pourtant, j'ai toujours envié ta fin à toi. La mienne a été misérable, une parodie de meurtre, copie d'un autre qui avait de la grandeur. Alors que le mien... Père, le temps est écoulé d'un instant à l'autre. Veux-tu mourir comme moi ? C'est possible. Oh. Tu me surprends agréablement, Égiste. Cela ne se produit pas souvent. D'habitude, nous sommes entourés de gens qui ne nous étonnent jamais, ni par leur talent, ni par leur sensibilité. Tu as les deux. Voilà une découverte imprévue. Je trouve en toi quelque chose qui m'aurait fait comprendre, en plus de tes autres dons, ce qui a poussé Clytemnestre à tellement oser pour t'avoir à elle tout entier, ne pas vouloir te quitter. Sans plaisanter, je peux le dire, tu es un remède à l'ennui. Je te remercie. Veux-tu être tué par moi ? Ouais, j'aimerais bien. Mais tu le ferais à quel titre ? En tant qu'Agamemnon ? Agamemnon, ce sera toi. Tu es lui, maintenant. Moi, je suis Clytemnestre. Avec pour complice, comme alors... Égiste, moi. Oh, parfait, parfait. Non, mais alors... Nous sommes prêts. Eh bien, en avant. Tu es rentré de Troie en triomphe. J'ai déroulé pour toi un tapis de pourpre. Je t'ai accueilli comme une reine, un roi. Je t'ai conduit dans le palais et préparé ton bain. Tu as quitté ta lourde armure, dénudé ton corps, glissé dans l'eau fumante. Je me tiens au-dessus de toi, au-dessus du corps qui est entré dans mon corps et l'a ensemencé. Je me souviens des nuits que j'ai passées avec toi. Des nuits où j'ai été privé de ton corps. Des nuits où le besoin m'a fait donner le mien à un autre homme pour recevoir ce que toi, tu ne pouvais plus me donner et dont j'avais besoin pour me maintenir en vie, me sentir femme. Abat ce corps que je ne désire plus. Abat cet homme dont je n'ai besoin que pour me venger de la solitude que m'a imposée son absence. Abat celui qui a maintenant, je ne veux prendre que la mort. Jette le filet, Égiste. Moi, je lève la hache et... 1, 2, 3. Je tue ma douleur, moi, Clytemnestre. Égiste, c'est gagné. Nous sommes vainqueurs. Nous régnerons, Clytemnestre, sans le cauchemar de son retour. D'aucun retour. Tout le pouvoir, désormais, entre nos mains. Nous l'exercerons implacablement, avidement, suprêmement. Qu'est-ce que tu regardes ? Lui ? Qui ? Oreste. Oh. Oh. Il est très loin, le temps qu'il arrive, il sera mort. Non, il n'est pas loin du tout, tout près. Tu ne le vois pas ? Il est là ! Le voilà, il approche. Regarde-le. Il tient une épée, c'est pour moi qu'il est venu. Pour me tuer, moi, sa mère, et toi, Égiste. S'il est venu pour ça, je le tuerai le premier. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne parle pas des conspirateurs, mais rien qu'à ma mère. Oreste ! Mais... Oh, ma mère ! Il ne peut pas faire de mal à une mouche. Il tremble tout entier, il est en sueur. Il a peur, hein. Il est malade de peur, prêt à tomber. Égiste, tue-le. Pour notre bonheur, Clytemnestre. Elle se rue sur la nourrice. Elle lutte. La nourrice lui donne un coup de poignard et la tue. À ton tour, ma mère. N'auras-tu pas pitié des entrailles qui t'ont porté? De la poitrine qui t'a nourri, de cet éton.
Regarde-les. Pense à ce que tu vas faire. La seule chose à quoi je puisse penser, ma mère, c'est ce que tu as fait. Toi, à mon père. Ah, ah. Je n'en peux plus. Oui, oui, donne enfin, donne, mon garçon, un terme à cet interminable encore de la haine et des meurtres. Si tu dois tuer mon fils, tue cette histoire sanglante. Ma mère, c'est ce que tu veux. Je suis Clytemnestre et je veux que mon fils me tue. Sans remords, puisque je te libère, puisque je te fais du bien, je tiens fermement mon épée, je regarde dans les yeux la mère. Elle me sourit, mon courage, son regard dans mon regard. J'enfonce la pointe en fer dans sa poitrine et cet acte m'innocente. Ah ! Je l'ai fait ! Je ne pouvais pas ne pas le faire. Tu as tué ta mère. Tu es un matricide. Je n'avais pas le choix. C'est ce qu'ils m'ont dit. Le matricide, nous autres, nous ne l'approuvons pas. Nous le condamnons. Nous sommes les porteuses de cette condamnation. Nous ne laissons pas en paix le coupable avant qu'il ne soit puni comme il le mérite. Nous sommes les filles de la nuit. On nous appelle Erinie. Aucun matricide ne nous échappe. D'autres m'ont poussé. D'autres m'ont chargé du meurtre. D'autres sont responsables. Je ne suis pas coupable. Organe exécutif. Pour nous, cela n'a aucune importance. L'acte, c'est l'acte. Et c'est toi qui l'as accompli. Tu seras puni. Donnez-moi la possibilité d'être jugé, de me défendre. J'ai ce droit. Pour nous, tu n'en as aucun. Ton acte est contraire aux lois. Rien ne le justifie. Ton crime réclame une peine en conséquence. Qu'allez-vous me faire ? Ce que ta mère a subi. Cela ne se paie que par la mort. Mais je ne suis pas Oreste. La nourrice qui l'a élevée, vous me connaissez, on n'a pas besoin. Le meurtre a fait de toi Oreste. Et Oreste, cette fois, n'y échappera pas. Il est temps qu'il soit puni, enfin, par nos mains. C'est ce qui va maintenant arriver. Tu n'as personne avec toi, personne pour te soutenir, pour prendre ton parti, pour te sauver. Tu es totalement seul, seul avec nous. Et nous allons faire comme avec tous les matricides. Personne jusqu'ici n'a échappé au juste châtiment des Erinie. Allons, mes sœurs, notre tâche est accomplie. C'était une vraie justice. Nous sommes désormais l'aréopage. Notre tribunal ne sera jamais remplacé par aucun dieu. Notre droit restera éternel. Poussez les défis de victoire et triomphe. Venez rejoindre les dernières ombres de notre mère. La nuit qui nous a enfantés règnera aussi désormais sur le jour. Venez d'entendre « Dévastation » de Dimitris Dimitriadis, traduit du grec moderne par Michel Volkovitch, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, en coproduction avec le festival La Mousson d'été, avec Nourrice Anne Benoît, Chrysothémis Johanna Nizar, Égiste Quentin Bayot, Cassandre Marie Desgranges, Clytemnestre Catherine Matisse, Agamemnon Alain Fromager, Iphigénie Cécile Bournet, Électre Camille Garcia,
Oreste, Grégoire Lagrange, et les voix de Ariane Berendt, Caroline Menon et Céline Mia Baumgartner. Musique originale, Sébastien Quincé. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Philippe Brodin et Bastien Varigou. Assistante à la réalisation, Lee Torquia. Réalisation, Baptiste Guiton. Enregistré à la Mousson d'été, le 23 août 2016, Dévastation, de Dimitris Dimitriadis, est publié aux éditions Espace 34.